peu là-bas. Bonjour. Bonjour tout le monde. En fait, je vais poser cette question-là parce qu'en fait, hier, j'étais en prière. Hier, j'étais en prière, il était assez tard. Et pendant que je priais, j'avais les yeux fermés. Il y a cette question qui est venue s'installer dans mon cœur. Pourquoi Yahweh se dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais pourtant Jacob a un frère, Esau. Pourquoi il n'a pas mentionné qu'il était aussi... Le Dieu d'Esaü. Ouais? Oui. Ok, en fait c'est simple. Et leur mère, et Rebecca, est tombée enceinte. Non. C'est ça, non? Rebecca, ouais. Donc, elle tombe enceinte de deux enfants, des jumeaux. D'accord? Dans la loi mosaïque, dans la loi divine, c'est l'aîné qui reçoit la double portion de l'héritage de leur père, hein, de son père. Et Esau est né, de l'aîné. Et la parole nous dit qu'un jour, il avait faim. Et son frère Jacob préparait de lentilles. Tu vois, non? Et il revient de la chasse, il dit à son frère, donne-moi les lentilles. Et Jacob étant très prophétique, il lui dit, bah, écoute, il faudrait que tu me cèdes ton droit d'aînesse. Tu vois, non? Donc, ton héritage spirituel. Et le monsieur, malheureusement, son frère Esaü, le lui a vendu. Et c'est comme ça qu'il a été écarté de l'héritage de Dieu. Non, il ne craignait pas Yahweh, effectivement. Non, il ne craignait pas Yahweh parce qu'il a même pris des femmes étrangères. Et le cœur de sa mère était blessé à cause de cela. C'est pour cela que Jacob va être envoyé à Padaram pour aller prendre une femme dans la famille de son père, de sa mère. Voilà. Donc c'était un rebelle. Voilà. Et plus tard, il est devenu Édom. Hein, les Édomites faisaient partie des personnes qui combattaient beaucoup les Israélites. Voilà. Alors qu'il s'est écarté lui-même à cause de la, hein, la cupidité, à cause, de la, à cause du ventre. Hein. Voilà, il s'est écarté de la parole, de la lignée de Dieu. Voilà.